Vous avez tellement galéré à trouver vos premiers clients que maintenant vous voulez qu'ils vous aiment et qu'ils restent. Aujourd'hui, on va parler relations clients. Bonjour à tous, je suis Rémi Parla, fondateur de la startup Eupia. Et aujourd'hui, effectivement, on va s'intéresser à cette partie de votre travail en tant qu'entrepreneur qui est hyper importante. Et on va notamment aller voir plusieurs choses. Un, quels sont les 4 axes qui sont vraiment importants et qui font réussir une relation client dans le long terme. Quelles sont les 7 astuces que vous pouvez mettre en œuvre pour vraiment tisser du lien et que ça fonctionne. Et puis ensuite, focus un peu sur notre vécu, nous, chez Eupia, les 7 règles qu'on s'est mis, nous, dans notre relation client, avec un exemple pratique pour vous montrer vraiment comment ça marche. Donc voilà, mais déjà, il faut se rendre compte combien c'est important la relation client dans une entreprise. Déjà, c'est vos clients, hein, c'est eux qui vous font vivre. Mais en plus, 80% des entreprises pensent avoir un super service de relation client. Et quand on regarde du côté des clients, il n'y en a que 8% qui trouvent que les services de relation client sont bons. Donc on voit qu'il y a un décalage de vision qui est absolument affreux. Et pour être dans la bonne démarche, bah, la politique de care, quoi, c'est vraiment prendre soin de ses utilisateurs et de ses clients. Et alors il y a un exemple qui fait vraiment référence à l'échelle mondiale, c'est Zappos, une startup américaine. Et en France, plus proche de nous, on a le cas très connu et documenté de Captain Train, qui est devenu Trendline, qui a fait un super bouquin là-dessus. Et donc Zappos comme Captain Train ont tous les deux fait des bouquins, des cas qui ont vraiment réussi à capitaliser et à réussir sur cet engagement dans la relation client. Et la première chose à se rendre compte, c'est que on a tous vécu en fait des mauvaises relations clients, les box internet où après vous vous retrouvez avec des gens qui sont pas au courant, qui suivent une espèce de déroulé, qui savent pas de quoi vous parler, qui vous posent des questions stupides et après qui vont peut-être prendre rendez-vous avec quelqu'un qui connaît quelque chose, enfin, et vous passez des heures comme ça à attendre, à pas réussir à les joindre, à avoir des gens qui sont pas compétents en face, c'est insupportable, on pète tous les plombs avec ça et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Donc on n'est pas des machines, on ne doit pas dire aux gens nous avons bien pris en compte votre demande et nous allons y répondre d'ici 48 heures, merci de manana manana. Non, on est des êtres humains, on parle à des êtres humains et donc on va essayer vraiment de mettre ça au cœur. Et alors voilà, comme dit, pendant 2 ans, moi je l'ai fait à la main, donc je peux vous dire un peu comment ça fonctionne. Alors les 4 axes forts, vraiment il y a 4 domaines qui font qu'une relation cliente va être réussie ou pas. La première, bah, c'est de mettre en face des personnes à la relation client qui ont une expertise, donc qui vont être capables de comprendre le cas du client. Donc avoir vraiment des experts produits en face et pas juste des opérateurs qui ont un truc à suivre, à dérouler. Donc voilà, mettez de l'expertise et donc il faut former son équipe, pas à faire de la relation client, mais il faut la former sur le produit, sur les process, sur les problèmes du produit, sur là où sont les problèmes et sur comment les résoudre. Donc vraiment, il faut mettre de l'expertise dans ce domaine-là, il faut y mettre de l'énergie. Alors c'est pratique quand c'est au début, c'est le fondateur qui fait la relation client, parce que du coup, on maîtrise 100% des choses. Mais quand on commence à avoir une équipe en relation client, bah, du coup, il faut réussir à donner cette expertise et à la mettre au centre. Et donc, c'est-à-dire notamment bah, le faire en interne. Si vous externalisez la relation client vers des services qui ne connaissent pas votre produit, qui ne l'utilisent pas, qui ne sont pas au cœur du système, ça va faire n'importe quoi. La deuxième chose, c'est des humains qui parlent à des humains. Vous n'êtes pas une entreprise, une administration ou une machine. Et donc, bah, en face de vous, vous avez des gens qui vivent des choses fortes. Quand ils viennent chez vous avec des problèmes, ils sont en panique, ils sont inquiets, il y a vraiment quelque chose de fort qui se joue. Et donc, bah, vous devez leur parler comme à des êtres humains et vous devez être dans l'empathie. Vous devez essayer de comprendre ce qu'ils vivent, pourquoi ils le vivent, partir du principe que les gens sont pas là pour vous mentir, pour vous, ou ils ont pas tous tort, on connaît tous cette phrase, les problèmes sont entre le clavier et la chaise. Oui, peut-être, mais s'il y a un problème entre le clavier et la chaise, c'est que vous n'avez pas été assez clair, ou c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien quelque part, et vous en êtes responsable. Par défaut, on part du principe que le problème vient de nous, et donc on essaie de comprendre le problème de manière très très empathique, sinon... Sinon, bah, vous traitez mal les gens et c'est sûr que ça va mal se passer. Le troisième axe qui est important, bah, c'est que vous êtes là pour régler des soucis. Vous n'êtes pas là pour dépiler du volume, pour rassurer ou pour gagner du temps ou pour renvoyer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Vous êtes là pour aider la personne. Donc à chaque fois que vous recevez un email, c'est un appel à l'aide et votre travail, c'est que la personne se dise « Ouf, maintenant tout va bien ». Et pas juste de la repousser. Donc vous devez régler le souci. Votre priorité, c'est de trouver la manière de régler le souci. Et souvent, on se dit oui, mais je sais pas, il y a peut-être d'autres choses à faire, ça peut l'envoyer chez d'autres gens, gagnons un peu de temps, ça va se régler. Ou même lui renvoyer un peu la patate chaude à lui en disant oui, mais revérifiez des choses. Non, en fait, à chaque fois que vous faites ça, vous allez perdre du temps, vous allez
perdre du temps à lui répondre pour que lui derrière revienne vers vous pour vous dire que ça marche toujours pas. Et en fait, tout ce temps-là des échanges et cette tension qui va monter, bah, si vous l'aviez pris un peu plus de temps la première fois à résoudre vraiment directement le problème, et bien en fait, ça vous aurait à la fin pris moins de temps. Donc c'est un mauvais pari de se dire je repousse à plus tard. Il faut essayer de régler le plus tôt possible les problèmes parce que ça vous évite après d'avoir un service de relation client qui s'engorge avec des gens qui reviennent encore et encore et donc une relation client qui vous coûte beaucoup plus cher. Vous êtes là pour aider. Vous êtes des anges gardiens. Vous êtes là pour vraiment sauver les gens, sauvez-les. Et puis la dernière gros axe fort d'une relation client, c'est d'être rapide. Quand quelqu'un vous demande un truc, faut essayer de pas répondre 5 jours plus tard. Plus la distance entre la demande et la réponse est rapide, plus les gens vont être hyper contents. Alors ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on voit chez Captain Train. Moi, j'ai déjà une fois appelé leur relation client. J'avais un ticket là, qu'il fallait annuler. J'étais le week-end et quand même, dans les 2 heures, j'ai quelqu'un qui m'a répondu à mon email. Alors qu'on était en week-end, j'ai dit waouh. Et ils géraient mieux. J'étais avant allé à la caisse de la SNCF, eux ils avaient mieux géré le cas et ils m'avaient résolu le truc. J'ai dit waouh. Mais voilà, là vous voyez la différence. Ils étaient réactifs, ils réglaient le problème, ils réglaient mieux que d'autres, que ceux qui étaient à la source du problème. Enfin voilà, c'était vraiment fort. Et cette rapidité, elle est. Ouais. Alors nous chez Paupières, on essaye de faire entre 24 et 48 heures, parce qu'il y a les week-ends. Mais on essaie de ne pas avoir plus de 48 heures de décalage entre la question et la réponse. Voilà, on laisse surtout pas traîner parce qu'en plus, vous laissez traîner, puis les gens s'énervent, les gens renvoient des messages, les gens essaient de vous contacter par tous les canaux. Ça empire en fait toute la situation. Donc essayez plus vite vous d'épilerez les sujets, plus vous serez zen. Voilà, donc ça c'est les gros axes forts, hein. Être expert, être dans l'empathie, régler les soucis et puis le faire rapidement. Ensuite, on va voir alors 7 astuces, les choses à mettre en place et qui font qu'effectivement, vous allez avoir une relation client qui va bien fonctionner. La première chose que je conseille, c'est vraiment d'incarner. La relation client, c'est des personnes, mais si vous arrivez à lui donner un visage, un ton, ça va être beaucoup plus fort. Donc, par exemple, nous, chez Epopia, c'est Plume. Nous, on est dans la créativité, on est dans l'imaginaire, on est avec les enfants. Donc, nous, c'est un personnage, c'est une petite fée qui écrit et qui gère la relation client et qui ne le gère pas sur un mode administratif, mais qui le gère vraiment sur un mode je suis une fée, je suis magicienne, avec ma magie je vais vous régler vos problèmes. Donc vraiment incarner et avoir un nom et que les gens ils savent à qui ils parlent. Alors ça marche aussi avec des humains, hein. Mais dans ce cas-là, vous mettez un prénom en face, vous mettez une personne, vous mettez une position et les gens doivent savoir à qui ils parlent et c'est pas juste des gens qui ont modifié leur nom parce qu'ils sont dans un autre pays et qui masquent leur accent et je ne sais quoi et qui font semblant d'eux. On ne fait pas semblant, on assume vraiment une position. Donc il faut incarner cette relation client, elle doit avoir un nom, un personnage, une signature particulière. Ensuite, on va lui donner un ton. Et ça, c'est le ton de la marque, hein. Ça dépend de votre marque, donc chacun a son ton. Là, je vous le disais avant avec nous, Plume chez Epopia. Plume, à chaque fois que quelqu'un lui pose une question en disant « Oui, je ne sais pas, par exemple, où est le courrier de mon enfant ?» je vais ouvrir mon grand grimoire magique et je vais trouver... Et c'est comme ça qu'elle parle. Et d'un coup de baguette magique, j'ai débloqué le bug. Et d'un... Voilà, ça c'est notre manière et c'est son ton. Elle est pétillante, elle est joyeuse, elle fait de l'humour. Et ça rend les choses agréables. Alors il y en a qui sont dans beaucoup plus dans l'humour plus gras. Enfin, il y a plein de manières différentes de le faire. Il y en a qui sont juste très bienveillants, mais sans mettre en plus de l'imaginaire autour. Voilà, il y a plein de manières de le faire. En tout cas, ayez votre ton et il faut qu'il soit cohérent avec votre marque parce qu'en fait, c'est la voix de votre marque qui parle. Troisième astuce, privilégiez l'écrit. Alors, on a souvent cette image du call center avec machin et puis les gens qui veulent appeler. Oui, il y a des clients qui veulent appeler. Nous, typiquement, plus ça va dans les clients âgés, les grands-parents, ils préfèrent nous avoir au téléphone. Mais en vrai, on arrive mieux à aider les gens par écrit parce qu'on a le temps de chercher, on a le temps de réfléchir, on a le temps de comprendre. Ça force les gens à formaliser leurs demandes, donc à se poser des questions. Et puis nous, ça nous donne vraiment aussi une traçabilité. Ça nous permet après, quand on va avoir un autre échange avec la personne, de savoir par où on est passé, donc de savoir où on en est exactement. Sinon, on repart à zéro à chaque fois, c'est super long, c'est super compliqué. Donc nous, on favorise vraiment le passage par l'écrit, le passage par les mails. En vrai, c'est comme ça qu'on arrive à mieux servir les gens. Et notamment quand vous avez des services par téléphone, vous tombez souvent sur d'abord, il faut choper quelqu'un. Donc le répondeur qui vous dit « on va prendre dès qu'on peut ». En fait, il n'y a rien de pire que ça. En fait, les gens se retrouvent pendant des heures à attendre. Et c'est pas par mauvaise volonté pour le coup de l'autre côté, vous pouvez pas avoir 10 000 personnes qui sont là pour répondre en même temps. Mais déjà, vous créez un début de relation qui se passe déjà mal, en fait. Alors que par email, c'est asynchrone, les gens écrivent, et déjà, les gens, d'ailleurs, par écrit, s'attendent à ce que vous répondiez, pas forcément tout de suite. Et donc, comme vous allez faire une relation client rapide, vous allez déjà aller plus vite que leurs attentes, et donc, vous arrivez déjà sur un début de dialogue qui est positif, où les gens sont déjà plutôt contents.
Donc c'est vraiment une meilleure manière de faire. Privilégier l'écrit, ça c'est l'astuce. Ensuite, ma quatrième astuce, c'est d'avoir les questions les plus fréquemment posées, vous les mettez par écrit avec les réponses, que les gens n'aient pas besoin de s'embêter à vous écrire, de s'embêter à vous appeler. Si déjà sur votre site, ils trouvent la réponse à leurs questions, bah alors c'est encore mieux. Vous, ça vous fait moins de relations clients, et eux, ils ont, en plus, ils sont autonomes, ils ont réussi par eux-mêmes, ils ont compris. Donc vous les avez éduqués, donc c'est encore mieux, parce que ça vous fera beaucoup moins de taf à long terme. Donc avoir une FAQ qui est bien remplie, qui est bien détaillée avec des solutions, c'est pas juste appelez-nous en cas de besoin, c'est vous mettez la procédure, nous c'est des suites de procédures, vous avez tel problème, voilà la procédure. Et si ça ne résout pas, alors vous nous appelez. Et d'ailleurs, même cette FAQ, on peut aller plus loin. Nous, à la base, sur le site, il y a un espace où vous pouvez nous écrire des emails. Et ben on a mis cette FAQ, donc au début on vous demande de choisir la raison de l'email, et en fait selon la raison ça vous propose déjà des listes de questions. Si votre question est dedans, bah d'abord ça vous donne la réponse tout de suite, et si la réponse ne vous satisfait pas, alors bah ça vous permet d'écrire votre email. Et puis si votre question n'est pas dedans, vous pouvez écrire votre email. Donc le but c'est pas d'empêcher les gens de nous écrire des emails, mais c'est de leur donner souvent la solution avant même qu'ils aient besoin de nous écrire, et ça vous permet de réduire le flux et de rendre les gens autonomes. Et les gens préfèrent ça, ils ont pas envie de s'embêter à pouvoir faire des échanges et à attendre la réponse, ils peuvent l'avoir tout de suite. Donc voilà, la FAQ est un outil hyper important pour rendre votre relation client plus fluide. Cinquième astuce, investir dans le produit. Vous allez avoir de la croissance, vous allez avoir de plus en plus de clients. Si tous les clients qui rentrent doivent vous écrire des emails et avoir une relation client, bah vous allez avoir un service de relation client qui va exploser, beaucoup plus de demandes, ça va être ingérable, et avec la croissance, ça va être ingérable. Donc votre objectif en tant que service de relation client, c'est de réduire ce flux. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous avez des demandes, vous devez boucher les trous, soit par la FAQ, soit en réglant les bugs. Là, vous devez investir dans le produit, pas juste pour rendre le produit meilleur, mais aussi pour résoudre les problèmes, essayer de résoudre les problèmes de relation client avant qu'ils n'arrivent, pour que bah, plus vous allez grandir, plus cette relation client reste en fait, n'est pas un volume de relations clients qui explose linéairement avec le nombre de clients. Parce que sinon, la croissance, ça va vous emporter, vous êtes foutu. Donc il faut scaler la relation client, et pour la scaler, et bah, c'est par le produit que ça passe, par le site, par le FAQ, par tout plein de choses qui font que vos clients, vos utilisateurs ont des solutions clés en main, ou alors le problème n'existe plus, ou vous avez réglé la question du UX qui faisait que les gens ne comprenaient pas et donc se sentaient le besoin de vous appeler. Voilà, tout ça, ça se règle par de l'UX, par de la FAQ, par des messages, par de la bonne information. Donc vous allez investir là-dedans pour essayer de tarir le flux en amont. Sixième astuce, il faut que votre service de relation client soit autonome. Il ne faut pas qu'il ait besoin d'aller demander des avis, qu'il ait besoin d'aller demander aux supérieurs le droit de donner une réduction. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont le droit de faire et qu'ils sont en capacité de faire des choix. Je vous rembourse. J'ai pas à demander la hiérarchie, j'ai pas à prendre du temps pour ça, parce que ça va vous donner de l'efficacité, de la rapidité du care. Tout de suite, les gens, ils ont une réponse tout de suite et une bonne réponse tout de suite. Donc il faut qu'ils soient autonomes, qu'ils aient tous les outils pour pouvoir prendre des décisions sans avoir besoin d'en référer à la hiérarchie. Et qu'on soit clair, quand on est en B2B et qu'on a des clients à 100 000 euros, oui, si on doit rembourser, effectivement, c'est bien de passer par hiérarchie. Si vous êtes en B2C, comme c'est le cas chez nous à Epopia, bon, bah, on va pas faire perdre du temps à toute l'équipe pour savoir est-ce qu'on rend 30 euros à quelqu'un. En fait, tout ce temps-là de discussion en interne va coûter plus cher que de rendre ces 30 euros. Donc, juste rendez-les. Enfin, voilà, n'alourdissons pas les choses. Donc, voilà, essayez d'avoir une équipe à qui vous donnez les outils pour qu'ils puissent fonctionner. Dernière astuce aussi pour avoir une bonne RC, c'est que toute l'équipe soit au support. Et la relation client, en fait, c'est l'endroit de discussion entre vos clients et vous. Une fois qu'ils sont clients, normalement, c'est là, c'est le seul endroit où vous voyez l'usage, où vous voyez les retours de l'usage. Et donc, c'est un peu les yeux de l'entreprise. Et donc, bah, pour que tous les gens de tous les services, que tout le monde comprenne qui sont les clients, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, mais aussi comment améliorer le produit, comment améliorer la communication, comment améliorer toutes les étapes de votre produit et de votre expérience client, et bah, il faut que tous les gens qui sont acteurs de ces différentes étapes voient en direct les retours des clients. Donc pour ça, il faut qu'ils y passent du temps au support, il faut qu'ils passent du temps à la relation client. Et ça fait que... bah, ils vont se dire, souvent d'ailleurs, vous allez mettre un tech à la relation client et il va voir les trucs arriver, il va faire mais ça c'est codé en deux minutes, mais bien sûr, je le débug directement et pour tout le monde. Alors que des gens qui sont juste pure relation client, plutôt profil com, eh ben, ils vont devoir faire des tickets, ils vont faire des demandes, il va y avoir des fils. Donc du coup, le message ne va pas passer de la même manière et ce n'est pas les mêmes décisions qui vont être prises que si les personnes concernées sont directement au contact. Et donc avoir toutes vos équipes qui tournent, qui touchent au produit d'une manière ou d'une autre, qui tournent et qui viennent voir les retours des clients, ça fait que tout le monde a
ce client au centre de l'entreprise. Donc c'est hyper important. Voilà, ça c'était les 7 astuces pour avoir une bonne relation client. Et alors je poursuis après avec les 7 règles que nous on a mis en place chez Epopia. On a vraiment 7 règles, donc une manière de communiquer qui nous permettent d'être dans ce care et dans cette bienveillance. Alors la première, là c'est vraiment des choses très très pratiques à mettre en œuvre très facilement. La première, c'est d'avoir toujours des formulations positives dans nos réponses. Donc on évite d'avoir des formulations négatives. Nous ne pouvons pas. On essaie d'avoir une formulation positive avec un vocabulaire qui est plutôt bienveillant et qui rassure. Donc voilà, on n'essaye pas d'enfoncer les problèmes et de les rendre encore plus durs. Au contraire, on essaie d'avoir une communication qui rassure les gens. La deuxième chose, c'est que le doute bénéficie toujours aux clients. Il y a des clients qui viennent, qui sont énervés, qui veulent un remboursement, qui veulent quoi que ce soit. Par défaut, si on ne sait pas dire où est le problème est chez nous. C'est tout. C'est par défaut, et s'il y a un doute, c'est le client qui a raison. Donc on ne va pas se battre avec lui, on va assumer. On va prendre sur nous. Donc voilà, bénéficiez le doute. Le doute doit bénéficier au client, pas à vous. C'est lui qui est au cœur, c'est pas vous. Troisième chose, dans la manière dont on répond, on a une mécanique dans les emails qui est toujours accusé réception de la demande du client. Donc oui, j'ai compris ce que vous m'avez dit. D'ailleurs, on peut reformuler. On comprend votre demande et on comprend pourquoi c'est important pour vous. Et ça, en général, ça enlève 50% des problèmes. Alors, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans une vidéo hein, sur le management et comment avoir une communication bienveillante et comment est-ce qu'on gère les conflits. En général, le fait d'avoir montré à la personne qu'on a compris et qu'on prend en compte et qu'on met aussi de l'affect sur son problème et qu'on n'est pas en train d'essayer de le minimiser ou de le ranger ou de le caser dans un coin, bah, ça fait déjà que les gens se sentent entendus et ça enlève déjà toute la tension. Et ensuite, on peut rentrer dans le factuel. Deuxième partie du message, ça va être analysé. On analyse son besoin, on analyse la raison, on essaie d'expliquer. Donc voilà, on va être vraiment dans l'analyse, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Et ensuite, on va expliquer et proposer. Donc voilà pourquoi c'est arrivé, voilà ce qui l'a généré et voilà comment on peut le régler. Et on propose des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, alors on explique pourquoi il n'y a pas de solution, mais on explique les choses. Expliquer et proposer, le but, c'est vraiment de résoudre la situation. Autre règle que nous, on s'impose, bah, c'est de ne pas cumuler de retard. Parfois, il y a un bug, il y a d'un coup plein de gens qui débarquent en relation client parce qu'il y a un truc qui n'a pas été compris ou il y a un truc qui est mal passé. Et bah, il y a toute l'équipe qui vient en support et on va aller appeler des gens de toutes les équipes partout pour venir faire la relation client, pour vraiment empêcher le flux de devenir énorme et d'avoir des gens qui attendent. Donc, ne pas cumuler de retard et essayer vraiment de garder un rythme de réponse qui soit de 24 à 48 heures. Nous, c'est comme ça, en jour ouvré. On tient quasiment tout le temps 24 heures en jour ouvré pour répondre aux clients. Après, il y a les week-ends. Mais parce que nous, on n'est pas, ça reste quand même une fonction support. C'est pas le gros de notre activité, la relation client, heureusement. Quand c'est vraiment au cœur et qu'on a un produit qui génère beaucoup de relations clients, eh ben, on peut avoir une équipe de relations clients qui se relaie aussi le week-end, qui se relaie la nuit. Typiquement, ce que font chez Trendline, donc Captain Train, ils répondaient le week-end, ils répondaient le soir très tard. Donc on voit qu'ils ont une équipe qui est structurée pour ça. Ensuite, être honnête et transparent. Vous n'êtes pas là pour noyer le poisson, vous n'êtes pas là pour essayer de vous faire passer pour des héros. Si vous êtes trompé, vous le dites, vous êtes honnête. S'il y a un problème, vous le dites, vous êtes honnête, vous êtes transparent. Vous êtes transparent, pas le « on va le régler très vite », si vous savez que ça va prendre 5 jours. D'ici 5 jours, dans 5 jours, vous essayez de donner un maximum d'informations factuelles qui font que les gens se disent pas, il y a encore du flou. Quand il y a du flou, vous laissez de l'attention, vous laissez les gens dans le mal-être. Essayez de résoudre tout ça et pas avec des promesses que vous n'allez pas pouvoir tenir, parce que ça, c'est le drame aussi. Il faut tenir vos promesses. Donc, si vous n'êtes pas sûr de tenir un délai, il vaut mieux dire un délai plus long, mais au moins les gens savent, et en plus, après, réussir à résoudre finalement plus vite, que donner un délai court et dire finalement désolé et que les gens reviennent en disant ben j'ai toujours pas reçu et ah ben désolé et en fait on revient encore voilà, ça c'est le drame. Donc être honnête et transparent. Aussi s'excuser facilement. Nous, on s'excuse si on voit qu'il y a un problème et qu'on en est la cause, on s'excuse tout de suite. On ne commence pas à essayer de se trouver des raisons et de fuir le truc. On prend nos responsabilités, on est désolé et on est sincèrement désolé parce que ça n'aurait pas dû arriver et c'est une erreur de notre part. Et il faut reconnaître ces erreurs. Sinon, vous générez des situations impossibles, surtout quand les gens sont énervés en face. Ça aussi calme beaucoup les tensions de dire « Ok, on reconnaît notre erreur, c'est bien nous. Et en plus, on en est désolé. » Et pas des désolés faciles, c'est pas « pardon ». Non, non, je tiens à m'excuser. Vraiment, ce truc n'aurait pas dû arriver, on n'aurait pas dû vous mettre dans cette situation-là. Donc, on acquitte aussi la situation qu'on a créée pour la personne et on s'en excuse vraiment sincèrement. Et c'est sincère, c'est pas juste pour noyer le poisson non plus. Nous, quand on est en relation client, quand on a un problème et qu'on en est la cause,
On est vraiment désolé que ça ait lieu. D'ailleurs, en général, après, ça revient dans les équipes, on dit « Qui a fait ça ? Mais mince, comment est-ce qu'on résout ?» C'est vraiment un vrai problème et on en est vraiment désolé. Et puis, dernière règle que nous, on s'impose, alors aussi, on est dans la bienveillance, on s'excuse, on fait bénéficier le doute au client. Il n'empêche que quand le client arrive de manière agressive, avec des insultes, avec des menaces, on ne le laisse pas passer. On ne se met pas non plus à quatre pattes. On explique, donc on dit « Non, mais par contre, ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous parler comme ça. » On a dit au début, on est des humains qui parlent à des humains, donc il faut réagir comme des humains. Si vous êtes une machine, vous faites « Ok, j'ai bien entendu, et nanana. » Si vous êtes un humain, bah vous vous acquittez aussi de cette colère, vous êtes quitté de cette violence, et vous avez le droit de dire « Non, mais par contre, excusez-moi, mais vous n'avez pas machin. » Et ensuite, vous rentrez, donc vous vous acquittez, vous accusez réception, vous donnez aussi votre ressenti d'humain, et ça, ça calme aussi, les gens se rendent compte que c'est vraiment des êtres humains en face d'eux. Et pour le coup, hein, c'est pas leur faute, hein, ils ont tellement l'habitude des relations clients et des services de relations clients où c'est déshumanisé, automatisé, ou des gens qui n'ont aucun pouvoir et qui sont loin de tout ça et qui s'en moquent d'ailleurs, ils sont payés pour traiter le truc, mais ils sont pas là pour, enfin, ils s'en moquent, que c'est normal que par défaut ils soient énervés. Par contre, il faut leur dire, chez nous, c'est pas comme ça, on a fait vraiment notre maximum et on va faire notre maximum pour vous aider, mais vous pouvez pas nous insulter, vous pouvez pas nous menacer. Donc voilà, ça, il faut, on est très clair là-dessus, il y a une limite aussi dans le respect, dans les deux sens. Très rapidement encore un petit exemple, hein, pour vous montrer vraiment comment concrètement ça se fait. Alors, on reçoit, nous, typiquement chez Epopia, beaucoup d'emails dans ce que j'appelle la relation client. La moitié des emails qu'on reçoit, et alors c'est une spécificité chez nous, hein, mais c'est, je pense que c'est pareil pour toutes les startups qui font vraiment du care, c'est que la moitié des messages qu'on reçoit, c'est des merci, c'est des bravos, c'est des félicitations, c'est des remerciements de les avoir aidés. Enfin, on reçoit énormément de messages, la moitié du flux, c'est vraiment que du positif. Donc c'est pas, on n'est pas, quand on parle de relation client, on parle pas que de gestion de drames et de gens en colère. Nous, la moitié de notre flux, c'est du positif, et après on va voir les questions, les doutes, ou alors des gens en colère, il y en a aussi, mais ça reste une minorité. On passe pas notre temps à gérer de la colère, qu'on soit clair. Ce qui est intéressant à savoir par contre, c'est que les gens en colère, s'ils sont en colère, ça veut dire qu'ils avaient des attentes fortes, ça veut dire qu'ils y croyaient, ça veut dire qu'ils vous adoraient. Enfin, qu'ils avaient vraiment, ils projetaient de la valeur sur vous et que vous avez déçu cette valeur. Et c'est ça qui crée quelqu'un qui vous aime pas, un haters. Un hater, c'est un lover qui a été déçu. Et ça veut dire que si vous arrivez à résoudre son problème, il redevient un lover, un amoureux. Donc, il faut bien avoir conscience aussi de ça. Vous avez des clients qui vous adorent, des clients qui vous détestent, ce sont les mêmes. Les lovers deviennent très facilement des haters et les haters redeviennent très facilement des lovers. Et en vrai, vos haters sont donc vos meilleurs clients parce que ça veut dire que c'est des gens qui projettent de la valeur sur vous et qui croient en vous et qui ont envie d'y croire. Donc, il faut les soigner. Et au final, tous ceux qui sont ni dans l'amour ni dans la haine, qui sont neutres, bah, eux, effectivement, vous pourrez les servir aussi bien que vous voudrez, vous en ferez pas des lovers. Ils sont... C'est cool, c'est cool. Alors que celui qui est très très en colère, il peut devenir très 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 amoureux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand vous traitez votre relation client. Vous n'avez pas des ennemis et des amis et des gens neutres, vous avez des amis déçus et des gens neutres. Et donc, bah, les amis déçus, il faut les re-rendre parce que ceux-là, ils vont devenir des très très bons amis. Derrière. Alors je vous donne un exemple, c'est une plainte qu'on a reçue là récemment, je regardais juste ma boîte mail et j'en ai chopé une au pif là de la semaine dernière. Donc c'est un enseignant qui, alors du coup nous on propose, vous pouvez télécharger des fiches qu'on donne gratuitement et il nous dit « Bonjour, je me suis inscrit sur votre site en m'intéressant à votre travail. Il y mentionnait obtenir des documents en PDF. En inscrivant, je suis rédigé vers Google Drive où je n'arrive pas à télécharger. Publicité intempestive et putaclic, ce serait tout de même mieux de ne pas mentir. Trois petits points, merci cordialement. » Ok, donc là, on se prend quand même un truc insultant en plus, pour le coup, on se fait traiter de menteur, alors pour un truc qui est gratos, mais ça arrive. Et du coup, voilà, typiquement une réponse chez nous de la relation client, donc c'est plume avec la petite image, avec la petite fée. Cher Pierre-Alain, je vous remercie pour votre message, je suis sincèrement navré que vous rencontriez des difficultés à télécharger nos fiches pédagogiques. Voilà, j'acquitte de trucs et je suis pour le coup désolé que ça ne marche pas pour vous. Ces fiches, après j'analyse, ces fiches représentent plus de 120 fichiers PDF qui nous seraient impossibles d'envoyer par email. Logique. C'est pourquoi nous avons fait le choix de les mettre en libre service sur Google Drive. Si le téléchargement depuis le Drive ne fonctionne pas, donc voilà, là on a expliqué. Et maintenant, s'il ne fonctionne pas, pour quelle raison, j'en sais rien, mais en vrai... Pour le coup, là, il y a tellement de cas différents. Tant que c'est pas un cas récurrent, on n'a pas besoin de le creuser trop. Et pour
celui-là, on l'a pas souvent, je vous invite à consulter notre blog où elles sont également mises à disposition. Et donc là, on lui donne juste un lien où il peut aller et il clique et il les télécharge. Donc on lui a trouvé une autre solution pour les télécharger d'un seul lien. Donc c'est très cool et on lui met le lien. Donc là, il a une solution immédiate où il n'a pas besoin de passer par le système où il a du mal. Et ensuite, quand même, parce qu'il nous a insulté, on ne fait pas passer les choses comme ça. Vous avez bien raison, mentir est un vilain défaut. Demandez à Pinocchio avec un gros smiley. Et donc voilà, là, on lui dit aussi, on rappuie quand même sur le fait qu'il nous a traité de menteur, mais qu'on lui a donné l'explication. Et en même temps, on le fait avec humour, avec un petit smiley, en faisant référence à Pinocchio. Donc on est vraiment sur un ton où, au contraire, on est dans la complicité. On revient dessus quand même parce qu'il faut quand même revenir dessus, mais avec humour. Passez une belle journée, bien magiquement, Plume, grande impératrice du service des courriers. Donc voilà, après ça c'est la signature. Mais là on voit effectivement comment on a débusqué. Et derrière on a Pierre-Alain qui nous répond « Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse joviale et rapide ». Donc il a bien capté le ton et rapide, hein, je pense qu'on a répondu dans la journée. Et merci également pour le lien, je vais regarder tout ça. Merci encore pour votre travail qui me semble riche et inspirant pour adapter dans ma classe. Bonne soirée. Donc là on voit qu'il est pas juste content, mais il s'excuse presque parce qu'il nous remercie pour trois choses différentes. Donc merci pour le ton jovial malgré que lui était énervé, merci pour le lien qui résout son problème et merci en plus pour tout ce qu'on fait en général et pour ce qu'est Popia. Donc on voit que là on l'a senti du neutre, là il est revenu dans les lovers. Vous voyez complètement comment se fait la bascule. Donc ça vous donne un cas pratique de comment est-ce qu'on peut traiter sa relation client de manière efficace pour vraiment amener une relation qui est saine avec vos clients à long terme. Voilà, j'espère que toutes ces explications ont été très claires et bien pour vous et que vous allez pouvoir les mettre en œuvre chez vous. Partagez cette vidéo autour de vous si vous avez d'autres entrepreneurs autour de vous et porteurs et porteuses de projets qui ont besoin de tout gérer cette relation client et qui ne savent pas comment s'y prendre. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont régler d'autres soucis que vous vous posez en ce moment et allez voir toutes nos autres vidéos et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao !